Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Canal Turf Info, le 14e si je ne m'abuse. Au programme de cette édition entièrement consacrée aux courses de ce vendredi 10 avril 2020, vos actualités, le programme du jour, des chevaux à suivre, éventuellement à jouer et une réunion 1 qui mérite toute votre attention à deux titres. D'abord, c'est celle du Quintet que l'on peut valider sur PMU.fr et qui est programmée dans la, je crois que c'est la 7e, vérifiée. 7e course de la Réunion 1 à Frejenstadt en Suède avec un départ à 15h45. Et dans cette même réunion de Frejenstadt, The Turf vous propose de jouer au V75 à partager une cagnotte supérieure à 200 000 euros pour ceux qui trouveront les gagnants des 7 premières épreuves de la journée. Il y a un rang 6 et un rang 5. Vous êtes prêts? Eh bien en route pour ce numéro de Canal Turf Info. Alors rien de neuf malheureusement du côté du déconfinement. Les dirigeants de l'institution des courses ont rencontré en début de semaine les responsables de la tutelle, des représentants des finances et de l'agriculture, afin d'évoquer avec eux la situation, une éventuelle reprise des courses et jauger les conditions justement de cette reprise. Ils ont remis un gros dossier à ces messieurs et selon leur dire, nos dirigeants de l'institution ont été écoutés, ce qui était bien là la moindre des choses. À voir sur notre site une vidéo réalisée cette semaine dans le centre d'entraînement de Deauville par France Gallo, où entraîneurs, lads, jockeys et employés applaudissent le personnel soignant. C'est sympa et vous y retrouverez des personnages connus. À Deauville, justement, Sotsas a travaillé ce matin, enfin ce jeudi matin, comme tous les chevaux d'ailleurs de Yann Barbereau, qui se sont même offert une petite course avec un départ des boîtes aux 1500 mètres. Il faut bien ne pas être pris de court quand viendra l'heure du déconfinement et de la reprise des courses. D'ailleurs, autant vous le dire, si les courses devaient reprendre demain, sachez que l'hipporome de la Touque serait fin prêt pour les accueillir. Alors ce vendredi, 5 réunions vous sont proposées en Australie, aux États-Unis et bien évidemment, heureusement qu'ils sont là, en Suède. Au total, 48 courses, un quintet, soit des épreuves toute la journée de 7h du matin à 23h30. Bref, nous avons du grain à moudre en ce vendredi de Pâques et de l'argent à gagner pour les plus perspicaces d'entre vous. Puisque l'on parle d'argent, nous allons parler des chevaux à suivre. À Frejenstadt, réunion 1, celle du Quintet, celle du V75. Vous mettrez une piécette sur le 401 Bastian, un 4 ans qui peut battre ses aînés, et sur le 504 Gangabé, une lauréate de groupe 1 l'an passé et qui reste sur une excellente rentrée. Elle s'était classée deuxième. À Elkistuna, attention au 709 Rocking Flax. C'est le plus rapide sur le parcours apparemment. Et au 902, King of Everything, en forme et bien placé derrière l'autostar. À Tampa Bay, le 102 Drive-In semble proche à succès, tandis que le 207 Finally trouve un lot franchement à sa portée. À Gulfstream Park, alors je vous en parle malgré les informations en provenance de Floride qui sont pour le moins contradictoires. Bon, si ça court, vous jouerez le 302 Dunder & Bitzen qui peut répéter. Et peut répéter également dans cette réunion le 504 So Charming. À Perth Ascot en Australie, gare au 202 Outlaw King qui vient de très bien débuter sur cette piste et au 603 Angelic Ruler qui est très régulière. Passons maintenant au Quintet. Alors le Quintet, je vous le disais, c'est la réunion 1, c'est l'hipporome de Frejenstadt et c'est la 7e course. Il s'agit du prix mercenaire qui a réuni 14 balles âgées de 5 à 10 ans sur la distance de 3140 mètres à la volte et avec 4 échelons de départ. Compliqué donc, mais après consultation de la team Canal Turf, j'ai deux bases à vous suggérer. Le 5 Vikens High Yield qui a déjà gagné 2 courses en 3 tentatives cette année et le 7 Vincent As qui possède le meilleur record de l'épreuve. Départ de cette course justement à 15h45. Conclusion, si vous avez une information à nous communiquer, vous connaissez le rituel ou un message particulier éventuellement à partager avec ceux de plus en plus nombreux qui nous suivent, vous pouvez le faire par un numéro de téléphone, le 07 64 08 48 51, 07 64 08 48 51. Numéro de portable non surtaxé, vous laissez un message, on vous rappelle ou on vous répond via SMS. Vous pouvez également nous envoyer un mail info19@canalturf.com. C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous demain même heure. En attendant, vous likez et vous partagez sur vos réseaux sociaux favoris. À très bientôt.